qu'est-ce qui revient à chaque 1er janvier et qui vous gâche irrémédiablement la vie pour les 12 mois à venir? Bah, ce sont ces foutues bonnes résolutions, bien sûr, que l'on a prises en même temps que ces fichus kilos accumulés en un temps record. Alors, comment tenir vos bonnes résolutions sans se soucier de votre poids? Oh, alors, c'était simple. Remplacer les kilos de foie gras, de viande rouge, de chapons truffés de sucreries par des kilos de bouquins. Prenons par exemple quelques livres sélectionnés cette semaine par François Bunel dans la grande librairie. Entre le livre d'Isabelle Carré, celui d'Olivier Adam, celui de Philippe Delerme et les 1016 pages du dernier roman de Paul Auster, on n'est pas loin des 2 kilos. Oui, bien pesé. 2 kilos qui vous nourriront l'esprit, vous muscleront le cerveau et vous sculpteront un cœur de rêve. Et si cette année, la seule bonne résolution à prendre, c'était de lire. Bon appétit. Bonsoir à tous, bienvenue dans la Grande Librairie. Je vous souhaite une très belle, une très bonne année, pleine de lectures, pleine de livres et, pour débuter au mieux cette année 2018, eh bien je vous propose un plateau exceptionnel. Paul Auster signe son grand roman. C'est une fresque formidable, d'une ambition folle et magnifiquement tenue. Le livre s'appelle 4, 3, 2, 1. C'est le grand livre de ce début d'année. Paul Auster sera sur ce plateau dans quelques instants. À ses côtés, dans la Grande Librairie, eh bien, celle qui est à ses côtés dans la vie, la romancière Siri Husvedt. Ses livres rencontrent un succès de plus en plus fort dans le monde entier et elle publiera bientôt, en France, un essai sur le doute et les certitudes. Alors en janvier, vous le savez, il y a une nouvelle rentrée littéraire et parmi les romans les plus beaux de cette rentrée, celui d'Olivier Adam. Il s'intitule « Chansons de la ville silencieuse ». La comédienne Isabelle Carré crée la surprise avec son premier roman, largement autobiographique. C'est un portrait de famille, la sienne, à la fois attachant et bouleversant. Et puis, en compagnie de Philippe Delerme, nous prêterons ce soir une attention toute particulière aux petites phrases ordinaires. Vous savez, ces expressions anodines comme le fameux « en même temps » ou alors « c'est pas pour dire, mais… » ou encore « je dis ça, je dis rien ». C'est le thème du nouveau livre de l'auteur de la première gorgée de bière. Mais pour ouvrir cette émission de rentrée, j'accueille tout de suite Paul Auster, Olivier Adam et Isabelle Carré. Bonsoir Paul. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Merci. Bonsoir, venez nous rejoindre. Olivier Adam et Isabelle Carré, bonsoir. Je vous en prie. Installez-vous, venez avec nous. Paul Auster, sur un plateau de télévision en France, on n'avait pas vu ça depuis très longtemps. Oui, ça fait un moment, oui. Ravi de vous retrouver, de vous accueillir. Vous êtes chez vous. La France, c'est un peu, Paul Auster, votre patrie d'adoption? Oui, sûrement. Et hier, Cyril et moi, nous sommes arrivés à Paris très tôt le matin. Je regardais et un sentiment de bonheur est arrivé chez moi. Et je suis très heureux d'être ici, encore. Oui. Alors, nous allons parler de littérature avec vous, dans un français que l'on découvre toujours aussi parfait. Paul Auster, bravo. On a évidemment eu envie de vous rassembler avec quelques admirateurs et admiratrices. On parlera longuement tout à l'heure de 4-3-2-1, qui est votre nouveau roman, livre époustouflant. Olivier Adam, quand on vous a annoncé que ce soir, sur ce plateau, Paul Auster serait avec vous, il paraît que vous avez bondi de joie. Que représente-t-il, Paul Auster, pour vous ? Ou disons de fébrilité, parce que je suis très impressionné. Voilà, parce que à 17 ans, dans les rayons de la bibliothèque municipale de Draveil, quand je commençais en lecteur tardif de littérature contemporaine et américaine à fureter et que je suis tombé sur la trilogie new-yorkaise, ça a été évidemment une très grande révélation, surtout pour le jeune auteur en devenir que je prétendais vouloir devenir. Quoi, voilà. Et ensuite, la musique du hasard, le livre des illusions. Voilà, j'ai suivi toujours ce parcours et là, en lisant 4-3-2-1, je suis estomaqué aussi par une capacité à, alors c'est pas à durer, mais c'est à rester longuement au fil des livres un niveau d'amplitude romanesque qui est plus qu'un modèle, qui est inaccessible sans doute.
Isabelle Carré, alors Yann Paul Auster, auteur de romans dont vient de parler Olivier Adam, mais Paul Auster est aussi cinéaste. Souvenez-vous, hein, Smoke, Brooklyn Boogie, Lulu on the Bridge, La vie intérieure de Martin Frost. Vous auriez préféré, vous, être une héroïne de papier de Paul Auster dans un de ses livres, ou alors peut-être une actrice, une comédienne dirigée par le cinéaste Paul Auster ? Pardon, mais alors moi je préfère voir et lire plutôt qu'être dedans. J'ai un tel plaisir, peut-être que ça serait aussi un plaisir d'être dirigée par vous. Hein. C'est, Irène Jacob, ma meilleure amie, m'en a beaucoup parlé. Mais j'ai eu un tel plaisir aussi à lire ce livre. Là je suis très triste parce que c'est les dernières pages et je retiens ma lecture pour ne pas quitter Ferguson. Ferguson, c'est le héros du livre de Paul Auster. Oui. On va en tourner les pages de ce livre ensemble, Paul, dans un instant. Mais moi j'aimerais revenir. Ben peut-être sur les débuts de Paul Auster. Parce que cette histoire que nous racontent Olivier Adam et Isabelle Carré avait quand même plutôt mal commencé. Je vous montre un chiffre. Ce n'est pas 4-3-2-1. C'est ce chiffre-là. 17. Ah oui, qu'est-ce qu'il évoque pour vous ? Ah, ça, c'était le nombre de refus que j'ai reçus pour la Cité de Verre, le premier volet de la trilogie new-yorkaise. Il y avait 17 éditeurs new-yorkais qui ont dit non. Et finalement, les trois livres étaient publiés par un petit éditeur à Los Angeles. C'est drôle, non ? New York Trilogy, publié par un éditeur californien. Ouais, et surtout, Paul Auster refusait 17 fois. Ouais, des choses arrivent comme voilà, ça. Ça crée de l'espoir. Ouais. Voilà, exactement. N'oubliez pas que le premier roman de Samuel Beckett était refusé par 36 éditeurs. Alors, je suis amateur à côté de lui. Ouais. Alors, puisque vous me parlez de Beckett, évidemment, il fait partie de vos influences, mais je me demandais, en lisant 4-3-2-1, sur vos inspirations, quel est le couple qui vous a le plus influencé ? Est-ce que ce serait, par exemple, ce couple-ci, Beckett-Chateaubriand ? Ou alors, est-ce que c'est ce couple-là, Laurel et Hardy ? Ah, il faut dire, dans ma jeunesse, c'était les derniers deux. Hein ? C'était... une expérience marquante pour moi de voir ces films de Laurel et Hardy. Et je crois que Beckett lui-même était influencé par ces deux, surtout dans En attendant Godot. Il y a des jeux, des tournées comiques de Laurel et Hardy qui est dans la pièce. Ce sont les mêmes gags. Et c'est extraordinaire qu'ils ont influencé tant... La littérature. Oui. Les écrivains. Oui, ouais. Oui. Il disait qu'on ne pouvait que rater mieux. Oui, Beckett. Je vous offre un petit extrait, justement, de Stan Laurel et Oliver. Ah bon ? Ils n'avaient pas jamais de chance avec les voitures, ces deux. Alors, vous leur avez consacré une pièce de théâtre et ils jouent un rôle très important dans la vie d'un de vos personnages. Parmi vos héros d'enfance, il y en a un autre qui joue un rôle important. Et peut-être faut-il le présenter parce que ça va revenir dans 4-3-2-1. Le voici, cet homme s'appelle Willie Mays. Ah bon ? Rookie Willie Mays ends his batting slump with a bang. And those swaggering, swashbuckling Giants are off on another spree. Thompson comes in to score the first run of the game. And Coogan's bluff resounds to Giant cheers. Alors, vous l'avez rencontré, Willie Mays. Il a joué un rôle presque déterminant pour l'écrivain que vous êtes devenu. Oui, oui. J'avais 8 ans. Et Willie Mays était le meilleur joueur, je crois, de tout le temps en baseball. Il était très jeune à l'époque. Moi, j'étais un gosse. Et... On m'a amené à un match et je l'ai vu après et j'ai demandé à lui, très timidement, Monsieur Mays, il avait 24 ans, Monsieur Mays, est-ce que je peux avoir votre autographe ? Il a dit, bien sûr, mon petit, as-tu un stylo ? Je n'avais pas un stylo. Mon père n'avait pas un stylo. Ma mère non plus, ni un crayon. Alors il a dit... Désolé, mais pas de stylo, pas d'autographe. J'étais très ému, très triste. Alors j'ai résolu, après ce jour-là, de porter un stylo dans ma poche. Toujours. Toujours. Et comme ça,
peut-être c'est lui qui m'a inspiré d'être écrivain. Vous en avez un, là, par exemple, dans votre poche ? Oui, parce que s'il y a un stylo dans la poche, peut-être un jour, on aura envie de l'employer. Hein. C'est possible. Voilà. Alors, on va parler de 4-3-2-1 dans un instant, mais je me suis dit que vous auriez peut-être envie, vous qui aimez tant la France, de découvrir cette rentrée littéraire du mois de janvier avec ces deux écrivains, Isabelle Carré et Olivier Adam. Et je suis assez convaincu que vous allez y retrouver des thèmes qui sont présents dans vos romans et notamment dans le dernier. On va peut-être commencer, Olivier Adam, par cette chanson de la ville silencieuse. C'est l'histoire d'une fille. L'histoire d'une fille qui cherche son père dans les rues d'une ville qu'elle ne connaît pas. Alors c'est un père célèbre, c'est un père chanteur, à la fois star déjanté et puis incorrigible misanthrope. C'est un père dont on a fini par croire surtout qu'il était mort, parce qu'il a totalement disparu de la circulation un beau jour. On a retrouvé sa voiture à côté d'un fleuve. Et puis, un jour, on signale sa trace, quelque part, à Lisbonne, et c'est le début d'une quête incertaine dans la ville de la mélancolie. « Chanson de la ville silencieuse » vient de paraître aux éditions Flammarion. C'est un très beau roman, alors tout en délicatesse, qui raconte l'envie de disparaître, la difficulté d'aimer. Pour quelle raison, Olivier Adam, une star de la chanson, mais ça pourrait être une star de la littérature, décide-t-elle un beau jour de quitter la scène ? Par usure, par... Il y a plusieurs hypothèses hein, dans le livre qui sont d'ailleurs toutes explorées et jamais vraiment résolues, parce que ce chanteur, même aux yeux de sa fille, reste une énigme et un mystère, comme il est une énigme et un mystère et une légende pour le public. Est-ce qu'il est arrivé à bout de son inspiration ? Est-ce qu'il s'est rendu compte qu'il écrivait à côté, qu'il avait perdu le truc, qu'il ne sortait plus vraiment les mots qui sonnent ? Qu'est-ce que ça veut dire, perdre le truc pour vous ? Vous écrivez aussi ? Oui, bien sûr, mais j'ai la hantise de ça, de me dire qu'à un moment donné, j'écris à côté et je ne l'entends plus, je n'ai plus d'oreilles, je ne me rends pas compte que ça ne vit plus, que ça ne sonne plus et que je continue malgré tout, parce que écrire, c'est ce que je fais. Et puis qu'il y a aussi une espèce de machine, dans son cas commercial aussi, il y a les maisons de disques, il y a les attentes, il y a... Lui, il se rend compte peut-être que c'est fini et qu'il préfère pas ajouter un disque pour rien. Ou bien est-ce que ce qu'il appelle le cirque, la surexposition, les médias, l'industrie du disque est devenue pour lui un repère de marchand de musique et plus d'esthète. Est-ce que ça l'a aussi dégoûté ? Ou bien est-ce que tout simplement il est dans une espèce de dépression ou même de fantasme d'autodissolution presque mystique. C'est toutes les pistes que va devoir envisager sa fille. Alors ça se passe en deux temps. Hein. La première fois, c'était 15 ans avant le début du roman, le moment où il décide de ne plus faire d'apparition médiatique, où il se mure dans le silence. On dit qu'il est quelque part dans sa propriété, qu'il n'écrit plus, qu'il ne compose plus. Et puis, cette nouvelle qui tombe, il s'est suicidé. Ouais. Mais c'est pour sa fille, c'est un deuil sans corps, sans sépulture. Et c'est donc une mort qui laisse une petite brèche, même si elle essaye de s'y résoudre, hein, parce que tout tente à prouver. Hein, il n'y a plus aucun mouvement de carte bancaire, de mouvement téléphonique, on n'a aucune trace de lui. Il s'est vraiment littéralement évaporé, comme les évaporés du Japon. Mais il y a quand même une petite fenêtre pour le déni et la possibilité d'un fantôme ou d'une apparition. Et puis en plus, elle le connaît. Mais attendez, elle est chez qui, cette fenêtre pour la possibilité d'une apparition ? Chez la fille qui veut croire que le père existe ? Oui. Ou chez nous aussi ? Mais le public qui avons envie de croire que la légende n'est jamais terminée. Bah oui, puis il y a toute une mythologie des chanteurs qui sont morts et qui en fait ne seraient pas morts. Enfin, j'ai aussi voulu travailler sur ces petites imageries-là de la musique pop et de la musique rock. Mais pour elle, évidemment, c'est quelque chose de. Dans quoi elle peut s'engouffrer, parce que si elle le connaît et qu'elle l'a vu déjà disparaître une première fois, et elle sait qu'il a cette propension comme ça à la fuite et au dépouillement de lui-même. Parce qu'elle est la seule à l'avoir vu aussi, une fois qu'il a tout arrêté, reclus dans sa propriété, ne chantant plus que pour les rivières et les oiseaux, alors qu'il prétend partout ne plus chanter du tout, se terrant, parce qu'une fois il va quand même chanter avec des amis au bar voisin, mais évidemment. Ça se sait, les journalistes arrivent, et il ne veut plus du tout
être pris en photo. Là quand on est à ce passage-là, on se dit, mais est-ce qu'il nous parle d'un musicien célèbre ou est-ce que c'est un mélange de Salinger en littérature ou de Thomas Pynchon qui ne veut pas qu'il y ait de photos de lui, qui n'est jamais présent, oui, Cormac McCarthy. Je préférerais ne pas. Il y a quelque chose comme ça. Et puis, de toute façon, Lisbonne, il y avait d'emblée Pessoa. Il y avait l'intranquillité qui est, en gros, la texture même de ce personnage et de sa fille. Et puis, il y avait les jeux de masques, la disparition. Lisbonne aussi une ville où il y a beaucoup de passages dérobés, où les escaliers en équerre comme ça font qu'on suit quelqu'un et puis il disparaît dans l'ombre et peut-être que ce n'était qu'une apparition. Alors c'est la ville que vous avez filmée, Lisbonne, effectivement, oui, avec cette idée de disparition. Mais je connais bien Lisbonne, et c'est une belle ville, incroyablement belle et, comme vous dites, mystérieuse aussi, et très ancienne. Il y a des quartiers du Moyen-Âge intacts. Et je crois, dans l'Europe de l'Ouest, c'est peut-être la seule, comme ça. Puis il y a quelque chose de Decati, une espèce de renoncement à ravaler les façades, qui n'est sans doute pas volontaire, mais qui correspondait bien, je trouve, à ce personnage, qui, d'une certaine manière, à un moment donné, se laisse... Disparaître, avaler. Lui-même, se oui. laisse avaler à la nuit, ou devenir, on ne sait pas, un chanteur errant, un moine soldat de la musique qui joue dans les rues pour rien. C'est un roman, c'est-à-dire que tout est tiré de votre imagination, même si on voit bien qu'il y a des obsessions qui traversent aussi celles de la société d'aujourd'hui, c'est-à-dire le regard que nous portons à travers les médias sur les légendes, que ce soit du rock ou de la littérature. C'est donc pas du tout un documentaire. Ah non, et puis je lis comme ça, dans les remerciements, vous savez, il faut toujours lire les pages de remerciements. La dernière ligne. Merci au fantôme de Nino Ferrer, croisé à Lisbonne il y a maintenant 7 ans. Oui. Explication. J'étais en Lisbonne en famille avec ma compagne et mes enfants et d'autres amis. Et il y avait un chanteur qui venait jouer en terrasse d'un restaurant argentin sur le pont du Barrio Alto et qui était vraiment le sosie de Nino Ferrer. Et qui en plus était un chanteur des rues habillé comme un prince. Quoi. Nino Ferrer, dont on rappelle qu'il s'était suicidé quelques années plus tôt. À 60 ans, dans un champ de blé. Après s'être partiellement retiré, avec fracas, en envoyant paître les médias, l'industrie du disque, dont il n'avait jamais assez de mots assez durs pour les qualifier, qui étaient des marchands, des gens vendus au capital, à l'argent, et qui n'avaient aucun souci de la création et tout ça. Et puis c'était, il était dans une maison dans le sud-ouest où il avait construit son propre studio, où il ne voulait plus enregistrer ailleurs qu'avec les musiciens qu'il aimait chez lui. Et quand j'ai vu ce chanteur des rues, qui en plus avait la particularité de ne jamais quêter après, et qui chantait des bossas, qui me faisait penser à la Rue Amadurera, une des plus belles chansons de Nino Ferrer, avec une voix également rocailleuse comme ça. Ma fille, qui est aussi très fan de Nino Ferrer, on s'est regardé et on s'est fait un espèce de rêverie. On a commencé une rêverie, c'est mais en fait il n'est pas mort, il a mis en scène tout ça et il est là, il chante pour les gens dans la rue. Quoi. Et puis ensuite, des années ont passé, je suis resté avec l'idée, en tout cas, de ce chanteur qui peut-être ne serait pas mort et chanterait comme un espèce de clochard magnifique, de mendiant errant de la musique. C'est une tentation ça, Olivier Adam, un jour de disparaître, de tout quitter, en tout cas la célébrité, et puis de recommencer de manière quasi anonyme. Je ne suis pas très célèbre, ça va, mais j'ai une propension à la fuite et à la disparition qui est très forte, contre laquelle je lutte. Et j'ai tendance toujours à écrire des livres de superstitions inversées. J'écris beaucoup sur ce que je redoute qu'il n'advienne. Et pas forcément pour moi d'ailleurs, parce que si je disparais, pas grand monde s'en plaindra. Enfin, moi, je m'en plaindrai pas plus que ça, sans doute. Mais pour les miens, quoi. Voilà. De toute façon, je sais que la disparition est omniprésente dans mes textes, mais je pense que la perte de ceux qu'on aime, la possibilité de cette perte avérée ou hypothétique, bon, c'est comme une grande. Qu'est-ce qu'on fait avec nos fantômes ? Que font ceux qui restent ? C'est comme une des grandes affaires de la littérature, je crois. C'est l'un des thèmes de pratiquement tous vos romans, Paul Auster. Peut-être, je ne sais pas. Est-ce que vous avez ressenti, vous, à un moment,
peut-être d'ailleurs au cours de ces 10 dernières années, l'envie comme ça de ne plus rien céder à l'industrie du livre, de ne d'écrire quelque chose qui déconcerte votre public, qui n'est pas fait pour marcher, et puis de tout envoyer balader. Mais je n'ai jamais écrit pour le marché. J'ai toujours écrit ce que je voulais écrire. Je ne pense jamais à ça. Si les gens aiment, tant mieux. Sinon, tant pis. 17 refus. Et il y avait des éditeurs parmi eux qui disaient « C'est très bon, mais un peu confus vers la fin. Si vous changez, on va le publier. » Et j'ai dit « Non, bien sûr pas. Je ne change rien. Vous acceptez ou pas. » Et j'ai toujours cette même attitude. Comment on peut faire l'art pour penser au marché? On se tue avant qu'on peut être en vie. C'est une impossibilité. Alors voilà pour l'artiste. Et ce qui est le plus intéressant dans ce livre, c'est la fille de l'artiste, c'est-à-dire celle qui cherche, mais celle qui subit aussi, celle qui n'avait rien demandé, qui demandait une vie presque normale, pas une vie de déjantée avec un père qui reçoit 25 personnes tous les soirs, avec des nuits blanches, des substances plus ou moins licites, et puis des hommes et des femmes qui vont, qui viennent. Vous avez fait de cette fille quelqu'un qui pourrait totalement être joué par Isabelle Carré. Ah, tiens. Oui, c'est un peu une habitude aussi. Hein, parce que, alors, on va... Vous connaissez bien et Isabelle a beaucoup joué. C'est pas qu'on se connaît bien, c'est surtout que trois fois. Dans les adaptations d'Olivier Adam. Mais ce qu'il faut dire là-dessus, qui est toujours, je suis toujours un peu embêté de dire ça devant Isabelle, mais c'est que quand j'écris À l'abri de rien, Isabelle l'a interprété Marie, Sylvie dans le téléfilm de Jean-Pierre Améris, Maman est folle. Et moi, j'ai l'habitude de prendre des narrateurs ou des narratrices qui sont toujours faits d'une écorce commune, disons, qui pourraient être interprétés par la même actrice ou le même comédien. Et quand j'ai écrit Le cœur régulier, d'une certaine manière, l'héroïne d'À l'abri de rien interprétée par Isabelle s'est substituée quasiment à mon héroïne habituelle, si vous voulez. Et alors, le truc fou, c'est qu'ensuite, Isabelle a interprété... ce rôle qui était quasiment écrit pour elle, quoi. Voilà, des années plus tard. Donc, et c'est resté, c'est-à-dire qu'il y a toujours dans... Alors évidemment, tous mes personnages sont très composites. Ouais. Non, mais je dis ça parce que mais Isabelle écrit elle-même dans son livre, page 37. Voilà une sensation que je connais bien, celle de ne pas savoir où aller. Et votre personnage, à vous, oui, bah après par ça. C'est d'autant plus troublant, cette correspondance, que dans le livre d'Isabelle, qui est magnifique d'ailleurs, il y a beaucoup de passerelles, en tout cas sur... cette idée d'enfants ou d'adolescents qui doivent se construire dans l'ombre ou dans les parages de parents qui, pour diverses raisons, sont tellement préoccupés par eux-mêmes, par leurs failles, par leur ambition artistique, par leur identité, etc., qu'il y a quelque chose, disons, d'un peu délaissé, d'une certaine manière, ou qui est... voilà, enfin, dans le livre, par exemple, ce père, il n'était pas vraiment fait pour être père, et puis il la récupère un peu, parce que la mère est encore plus défaillante que lui, et puis elle se retrouve propulsée dans une vie dans laquelle une enfant n'a pas sa place. Une vie de musicien, en meute, puis de toute façon, il la laisse au gardien. Elle est tout le temps en tournée, il est tout le temps en tournée ou en promo, et puis alors après, quand il rentre entre deux albums, il est dans sa tête à ruminer, comme Kurt Cobain dans les films de Gus Van Sant, la Last Days, à tourner dans les champs en attendant que ça vienne, etc. Puis après, hop, ça vient et hop, c'est reparti. Là-dedans, elle n'a pas beaucoup de place. Et en plus, le peu qu'elle a de lui, elle doit le partager, comme sans doute beaucoup les enfants de célébrités de ce niveau-là, avec le public. Elle doit le partager, et parfois... Avec les biographies miraculeuses. Avec les magazines. Très critique à l'égard des biographies. Il y a cette phrase, par exemple, que je relève, page 210. Les chansons sont plus intéressantes que ceux qui les chantent. Alors ça, c'est pratique, ça évite de s'intéresser aux chanteurs. C'est une phrase de Jean-Jacques Goldman, en fait. Oui. Parce qu'il y a plein de micros. Ça, c'est une petite coquetterie, mais le livre est... Mais vous le pensez, ça est-ce que, par exemple... les romans sont plus intéressants que ceux qui les écrivent. En tout cas, mes romans, si médiocres soient-ils, sont bien plus intéressants que moi, ça c'est sûr. Mais c'est pas médiocre, hein, Olivier. Non, mais en tout cas... Parce qu'il y a trois types qui ont décidé autour d'un micro, non, c'est médiocre, que c'est vrai. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... en ce qui me concerne, oui, je le pense. Mais après, je peux pas généraliser. La biographie d'un écrivain, Paul Auster, est-ce qu'elle est nécessaire pour comprendre une œuvre? Non.
je ne crois pas. Mais si vous vous intéressez beaucoup dans un auteur, ça peut être intéressant d'étudier la vie, mais ce n'est pas nécessaire, non. Voilà, Chanson de la ville silencieuse, c'est le nouveau roman d'Olivier Adam. Il y a énormément de choses qui sont racontées comme ça, à la lisière, avec une écriture ciselée, une caresse offerte par Olivier Adam. C'est aux éditions Flammarion, il y est question de la famille, il y est question de la timidité, il y est question de la manière d'aimer. Et puis aussi, cette question-là, qu'est-ce que c'est qu'un artiste et qu'est-ce que c'est que de devoir être le fils ou la fille de quelqu'un qui est un peu brinzingue. Alors justement, les brinzingues, ça m'emmène, pardon, hein, mais près de vous, Isabelle Carré. Voici une autre histoire de famille hors normes, un peu déglinguée, sans doute légèrement névrosée. Vous allez me dire qu'on est tous légèrement névrosés, celle-ci l'est particulièrement. Ça se passe dans une ambiance dont on dira qu'elle est quoi ? Post-68 art zen. C'est ça, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure aussi par rapport au roman d'Olivier. C'est aussi une histoire d'époque. L'éducation était un peu en marge. On réinventait les choses à ce moment-là. Et chacun cherchait un peu sa liberté, sa voix. Ce chanteur, mais aussi les parents du livre. Et, vous dites les parents du livre, vous ne dites pas mes parents. Je préfère dire la mère et le père. Ouais, vous avez raison. Marqué roman. C'est des personnages. Ouais. C'est des personnages de roman. J'ai pas cherché... Est-ce qu'on peut dire que ce roman, Les Rêveurs, est tout de même... largement autobiographique ? Voilà, il y a effectivement des repères autobiographiques, mais j'ai à aucun moment cherché en fait, à mener une enquête, à aller vers la vérité. Mmh. C'est une vérité, mais complètement subjective, c'est-à-dire que j'ai fait avec les souvenirs réels, aussi effacés que ceux qu'on peut garder quand on est enfant, parce que c'est le regard d'un enfant et d'une adolescente. Et puis les souvenirs qu'on invente, hein, comme dit Shakespeare, les souvenirs qu'on invente sont les plus beaux. Et puis, il y a aussi tous les trous, tous les blancs, et ceux-là, je les ai comblés avec l'imaginaire. Olivier Adam, une belle expression qui vous correspond assez bien, je trouve. Vous écrivez « Pour comprendre mon père, il faudrait que je fasse le tri dans l'anthologie des légendes ». Vous avez ça aussi, l'anthologie des légendes, dans votre famille ? Oui, non, il n'y a pas tellement de... J'ai plutôt le sentiment... Vous savez, on a tous dans la famille celui qui se dit « Ah mais si, c'était comme ça. Ah, mais moi, je suis un peu la mémoire, en fait, familiale. » Il y a toujours quelqu'un qui est là pour faire la mémoire de toute la famille. Donc, il n'y a pas vraiment de légende dans la famille autre que celle que j'ai voulu préserver. Autour de moi, ils sont plus tournés vers l'avenir. Moi, je suis un peu celle qui aime regarder dans le rétroviseur. Dans le rétroviseur, il y a une famille composée d'un côté d'aristocrates désargentés, et puis de l'autre de cheminots, gardes-barrières, voilà. Et puis de secrets. Oui. De secrets. De secrets, oui. Et puis cette expérience qu'on a tous fait, pas forcément des secrets très lourds, mais vous savez, quand on est enfant et qu'on rentre dans une pièce et que le silence se fait, ou un regard qu'on n'arrive pas à interpréter, ce mystère, en fait. Que tous les enfants connaissent, de voir ces adultes, nos parents, qui sont censés être nos proches, et qu'on n'arrive pas vraiment à décrypter toujours, qui nous surprennent. J'ai beaucoup aimé le dernier roman de Joyce Carol Oates, Paysage perdu. Oui, c'est bien. Et elle explique ça, en fait, que peut-être, elle aimait cette hypothèse, peut-être qu'un écrivain, c'est cet enfant qui s'est plus interrogé que les autres sur ses parents, sur ses proches, qui a trouvé que ces mystères étaient intéressants et qui finalement continue à s'y attacher toute sa vie. Et c'est peut-être même pour ça qu'il écrit. Cette enfance, c'était une enfance de rêve ou c'est une enfance rêvée ? Oui, c'est ce que j'écris à un moment, plutôt une enfance rêvée qu'une enfance de rêve. Oui, pourquoi les rêveurs aussi ? Bah, voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, la peinture aussi d'une époque, tous les rêves étaient possibles, c'était vraiment le champ des possibles. Là, je retrouve un peu le roman de Paul Auster. Toutes ces routes, tous ces chemins qui s'ouvraient à nous. Oui, mais alors, vous insistez sur le fait que ces chemins, la société française ne permettait pas forcément de les emprunter. Un seul exemple, du côté du père, du personnage du père. Que se passe-t-il quand une adolescente entend son père lui dire... Je suis homosexuel, pendant des années j'ai dû le cacher, et aujourd'hui j'ai juste envie de vivre librement, et je m'en vais, parce que d'ailleurs, ta mère me met à la porte. Alors c'est le voile qui se déchire, et c'est cette opacité en fait avant cette révélation
que j'ai aimé peindre. Ces silences, encore une fois, ce mystère. Et oui, c'est un long chemin. Comme vous le dites, la société, il faut se rappeler que dans les années 60, venait d'être votée une loi qui condamnait l'homosexualité comme un fléau social. Il faut se rappeler qu'il faut attendre 1990 ou 92, je crois, pour que l'homosexualité soit retirée des maladies mentales selon l'OMS. Donc, y a tout un chemin, et j'ai envie de dire... Il y en a encore. Si des associations comme le Refuge existent encore aujourd'hui, le Refuge, vous savez, c'est une association qui aide les jeunes adolescents homosexuels qui sont rejetés par leur famille et qui se trouvent à la rue. Donc, si de telles associations existent encore, c'est que le chemin est long. Et cet enfant, donc... Les enfants d'homosexuels dont on entend peu aussi la parole. Oui, c'est peut-être aussi pour ça, on me pose la question, pourquoi maintenant? Pourquoi un livre à 46 ans, un premier roman? Pourquoi cette histoire-là? Même si, encore une fois, elle est complètement romancée, il y a évidemment des points qui sont intimes et personnels. Mmh. Et la manifestation pour tous en a fait partie. Ça a été un déclencheur? Oui, absolument. Pour écrire. Parce que Un des déclencheurs, pas le seul, hein, mais un des déclencheurs, cette stupéfaction tout à coup de voir que oui, il y a encore de l'homophobie et ces manifestations qui disaient finalement les enfants d'homos seraient malheureux. C'était un peu ça quand même, pourquoi ces gens se rassemblaient, pour dénoncer ça. Et alors, mais comment peut-on décider que... certains seraient malheureux et d'autres heureux et mettre des cases comme ça? Oui, c'est compliqué, mais ce que j'explique, je pense, dans le livre, qu'on ressent, c'est que ce qui est compliqué, finalement, c'est le regard autour, c'est les injonctions familiales, c'est la pression sociale, c'est le fait qu'on est aussi un produit de son milieu, et que quand on arrive à se libérer de ça, finalement, ça va mieux. Et quand le milieu est formé de deux malentendus, comme vous le dites, qui se sont rencontrés à une époque où, après tout, ils auraient peut-être dû aussi ne jamais se rencontrer. Là, on est dans le jeu des si. Voilà. Dans le jeu des si, effectivement. La fameuse musique du hasard. Vous posez, ouais, page 119, la question de l'enfant aussi. Mm-hmm. Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui a tout fait déraper? Qu'est-ce qu'on n'a pas voulu comprendre, su détecter? Tout à coup, votre personnage tombe dans ce qu'on appellera la culpabilité aussi. En posant ces questions-là, non? La culpabilité, non, je ne sais pas. Plutôt, à quoi croire quand on n'a pas su voir comme ça? Et quand on découvre que finalement, encore une fois, oui, les gens qu'on croyait les plus proches sont si surprenants et se révèlent être complètement différents de ce qu'on pouvait imaginer. Mais le livre parle beaucoup... Oui, des apparences. À un moment donné, j'avais failli même l'appeler la partie émergée de l'iceberg. Et je pense que ça rejoint tout le monde. C'est pour ça aussi que j'ai envie d'en parler. On a tous cette expérience dans un dîner ou, je ne sais pas, dans un train ou après avoir bu un petit verre, de découvrir que la personne qu'on croyait si bien connaître est complètement différente de ce qu'on pouvait imaginer. Et c'est pour ça que j'ai voulu aussi garder mon nom pour ce premier roman. Pour montrer la différence entre l'image sociale qu'on a les uns des autres, qu'on a de moi aussi en tant qu'actrice, et puis ce qu'on est finalement, cette richesse qui est cachée. Page 262, effectivement, vous parlez de vous comme actrice. J'ai l'habitude, avec les journalistes, d'être toujours associée à deux qualités, écrivez-vous, discrète et lumineuse. C'est bien, discrète et lumineuse. Oui, c'est bien. Comment suis-je passée si facilement entre les mailles du filet? Ben oui, c'est vrai. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on fait beaucoup d'interviews, et puis moi j'adore parler de ce métier, et ça me va très bien de parler que de ce métier et de ne pas parler de moi. Je suis une actrice connue que personne ne connaît, écrivez-vous. C'est ça, et à un moment donné, j'adore être dans les histoires des autres, dire les mots des autres, essayer de les interpréter, faire en sorte que l'auteur ou le metteur en scène soit satisfait. C'est très agréable aussi d'être au service d'un texte. Mais d'écrire mes mots, de chercher mes phrases, de chercher ma musique. Ben oui, ça m'a passionnée. Et c'est vrai qu'il y a aussi le plaisir d'un dévoilement partiel, parce que, je le dis à un moment donné aussi, j'ai pas tout dit, Dieu merci. Dieu merci. Il y a pire. Il y a pire et il y a mieux. Il y a plein de choses. Il y a la partie immergée de l'iceberg. Alors, ce qui est très frappant dans ce livre, c'est qu'on se rend compte à quel point vous vouliez
être près de ce qu'on appelle la normalité. C'est un mot qui revient souvent. Mmh. Avoir une enfance normale, alors que vos parents sont complètement sur le toit. Ça, c'est quand on est enfant, mais parce que les enfants sont très conventionnels. Alors, est-ce qu'ils ne sont pas plus conservateurs, finalement, ces enfants ? C'est un petit peu comme chez vous, Olivier et Adam. Est-ce que cette fille n'est pas plus conservatrice que le sont tous les adultes ? Mais après, dans un deuxième temps... Ouais, mais je pense qu'il y a une inversion aussi. C'est, je pense que les familles très normales... Oui, voudrait bien. Étouffer et rêver d'être dans une famille complètement barge et déstructurée aussi. C'est quand on est petit parce qu'on a envie d'être dans un cadre, d'avoir des repères. Mais après, en grandissant, on se rend compte de la richesse incroyable que ça représente, en fin de compte. D'être dans un milieu qui a cette richesse aussi. Voilà, c'est des émotions. Moi, ce que j'ai aimé écrire, au-delà de... Enfin, les faits, oui, mais les émotions, c'est ça qui m'a plu, comme dans mon métier, finalement. Où est-ce qu'on vit pour de vrai ? Dans la réalité ou dans les rêves ? Dans le passé aussi, on vit bien aussi. Vous trouvez toujours le moyen de ne pas répondre. Hein. C'est vrai. Mais moi, je trouve que tout est nécessaire. Heureusement qu'on a des rêves et puis, et puis ils nous permettent, même si on ne les réussit pas tous. Là, c'est vraiment un roman de... Voilà, de où les personnages rêvent beaucoup, effectivement, mais c'est un roman d'apprentissage. Les personnages rêvent beaucoup, mais quand même, ils finissent par en réaliser quelques-uns de ces rêves. Et s'ils n'avaient pas eu ces rêveries un peu fantasmatiques au départ, peut-être qu'ils n'auraient pas réussi à... Oser rêver, quitte à ce que le rêve ne tienne pas ses promesses ou que la vie se charge de les défaire. Oui, encore une fois, on en réalise quand même quelques-uns au bout du compte. Que signifie cette phrase, page 141, Isabelle Carré ? J'écris pour qu'on me rencontre. Oui, ça c'était en fait une phrase d'un film qui m'avait beaucoup plu, La petite voleuse, où Charlotte Gainsbourg était quasiment au premier rang comme ça, et Didier Bezas, le comédien, venait s'asseoir près d'elle et disait « Vous allez souvent au cinéma ?» Et ça, elle disait « Oui, mais le film en fait ne m'intéresse pas tellement, je viens au cinéma pour qu'on me rencontre. » Et après, ils sortaient tous les deux et voilà, ils allaient dîner, etc. Et elle faisait une belle rencontre. Et oui, écrire pour qu'on me rencontre et écrire parce que je rencontre aussi des gens. J'ai rencontré là ce Ferguson, j'ai rencontré ce personnage de cette fille qui cherche son père. Et puis, je trouve qu'il y a des phrases bijoux, quoi. Il y a des phrases bijoux où tout à coup, on se dit, mais bon sang, c'est exactement comme ça que j'aurais aimé dire les choses. Et ça crée un soulagement incroyable. Les rêveurs d'Isabelle Carré, premier roman très réussi, c'est aux éditions Grasset. Alors, évidemment, Paul Auster, je sais que vous n'avez pas eu le temps de les lire, ces livres-là. Enfin, non. Vous non. entendez quand même malheureusement. La littérature française, oui. La famille, l'envie d'être normal, ce regard sur le passé. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces thématiques ? C'est-à-dire que les littératures sont tous les mêmes. Il y a des nuances, mais c'est la vie humaine qu'on décrit dans des romans, et presque tout le monde vit dans une famille. C'est sûr que chaque personne qui existe est née du corps d'une femme. Et alors, on partage beaucoup à travers les cultures. Et c'est pour ça qu'on peut voir, par exemple, des films japonais, des films d'Ozu, qui raconte des histoires des familles les plus intéressantes que j'ai jamais vues. Bien sûr, je ne suis pas japonais, mais je comprends les drames dans cette famille japonaise dans Tokyo Story, par exemple. Je vois Crime et châtiment, Dostoïevski sur la table. Bon, un roman russe, mais on comprend, ça nous dit quelque chose. Même si on n'est pas russe. Oui, même si on n'est pas russe. Alors, c'est-à-dire que l'art est quelque chose qu'on partage en tant qu'être humain, ni français, ni américain, ni russe, japonais. Ça n'a rien à voir. Alors, voici un livre dont je ne dirais pas qu'il est peut-être un grand roman américain. C'est un grand roman tout court. C'est grand. C'est très grand. Et pas seulement parce qu'il fait 1000 pages. Faut pas le laisser tomber sur votre pied. Ça, c'est... le seul conseil que je peux donner au lecteur. Je pense que vous allez peut-être pouvoir nous donner 2 ou 3 autres conseils. Tiens, par exemple, vous qui nous regardez, est-ce que vous vous demandez parfois ce que votre vie aurait bien pu être si ? Alors, si vous n'aviez pas eu le même nom, par exemple, si votre père était mort quand vous aviez 7 ans, si vous aviez tourné à droite au lieu de tourner à gauche, et puis si vous n'aviez pas épousé la femme qui est aujourd'hui la vôtre, ou alors l'homme qui est aujourd'hui votre mari, etc., etc. Voilà donc le livre qu'on attendait sur cette question.
le tourment, en réalité, de vivre dans un corps et un seul. Eh oui, un seul corps, bien dommage. Alors voici une vie et quatre possibilités. Une vie racontée sous quatre angles très différents, avec en toile de fond l'Amérique des années 50 et 1960, c'est-à-dire la guerre du Vietnam, les émeutes raciales, l'assassinat de Kennedy, puis celui de Martin Luther King. Le résultat est impressionnant. C'est peut-être, Paul Auster, votre livre le plus ambitieux, le plus abouti, le plus fort, vraiment. Celui dans lequel se rejoignent vos obsessions d'écrivain. Et puis, pour vos fans, quelques personnages des livres passés qu'on est bien content de retrouver. J'aimerais que vous nous racontiez comment vous avez eu l'idée de ce roman. Je crois que j'avais cette idée dans ma tête, derrière, pendant longtemps. Et un jour, il y a quelques années maintenant, je me suis dit clairement, pourquoi pas écrire un livre où je raconte l'histoire de la vie de quelqu'un, mais dans les voies parallèles. Mmh. Et c'était une idée formelle qui n'est jamais, pour moi, l'inspiration des livres pour moi. Pour moi, c'était toujours un ton, une musique, un personnage, un incident, un son, une couleur, et une histoire développe au-dessus. Et puis, en racontant l'histoire, j'ai trouvé la forme du livre. Mais là, j'avais la forme avant l'histoire. C'est comme on se dit, je veux écrire un sonnet. 14 lignes, il faut que je suis les règles de ça. Alors j'ai établi mes règles. 4 vies d'une seule personne. Et après, c'était comme l'histoire était déjà en moi. Ouais. Je ne savais pas que... Vous ne saviez pas ce qui allait se passer. C'était là, c'était là. Et puis j'ai commencé à écrire... aveuglement, je n'avais pas un plan. Et au début, je pensais, bon, je vais prolonger la vie de toutes ces quatre jeunes personnes jusqu'à la vieillesse. Mais après 50, 60 pages, je me suis dit, non, c'est pas ça, tu as tort. Tu écris un livre sur l'enfance et la jeunesse. Et puis, j'ai l'adolescence. Compris. Et oui, l'adolescence, et puis, mais pas plus, les 20 premières années d'une vie, qui sont, bien sûr, les années les plus mouvementées de notre existence. Pensez-vous, on commence à zéro, un bébé comme ça, et puis à 20 ans, on est presque adulte. Quelle transformation! Chaque chose, pour la première fois, 1000 choses pour la première fois. Mais qui auraient pu se passer différemment si on avait fait d'autres choix. Première expérience sexuelle? Oui, ça dépend des circonstances. Alors là, je ne voulais pas, sûrement pas, écrire un livre de science-fiction. Alors je ne voulais pas faire un des quatre un astronaute, un autre un juge, autre un voleur des banques et un autre un cow-boy. Hein? Ce n'était pas l'idée que j'avais. Ils sont identiques physiquement, ils ont le même cerveau, ils ont les mêmes parents, les mêmes corps. Alors, et ils habitent plus ou moins dans les mêmes lieux aussi. Ce n'est pas qu'un de ces garçons est amené en Chine ou en Russie. On est à New York, quelques excursions en Californie, un peu à Paris. Dans les banlieues, les faubourgs de New York. Alors, ils se ressemblent beaucoup. À cause de ce corps, ils sont très bons dans les sports, très jeunes, ils aiment ça. Mmh. Ils sont tous les quatre très sensibles à la musique. Et petit à petit, chacun des quatre file vers l'écriture dans des formes différentes. Poésie, journalisme, critique, mémoire, fiction, poème, traduction, toutes sortes de façons d'écrire. Mais à cause des circonstances, assez tôt, je crois, tous les quatre se distinguent des autres. Et pour moi, les quatre ont des personnalités très différentes, l'un et l'autre. Numéro un, c'est
une jeune personne pleine de doutes, d'hésitations. Il manque une sorte de confiance en lui. Mm-hmm. Numéro 2. Avec une grande conscience sociale et politique, quand même. C'est vrai. Et à travers lui, ce premier cycle de la narration, on voit la plupart des choses sociales qui se déroulent dans les années 50-60. Dans le livre, ouais. Oui, c'est ça, c'est vrai. Numéro 2, c'est quelqu'un têtu, intelligent, et avec beaucoup d'originalité, je crois. Numéro 3, c'est l'un qui perd son père à l'âge de 7 ans. Ouais. C'est le Ferguson le plus confus, l'un qui fait des troubles à l'école, qui rate les classes exprès, qui est déception pour les parents, pour sa mère et sa tante, et qui lutte en lui pour se trouver une piste dans le monde. Pour moi, peut-être le Ferguson le plus touchant, le plus aimable. Peut-être. Hein. Oui. Vous êtes d'accord, Isabelle Carré? Oui, c'est vrai. Il est très touchant aussi dans sa quête d'identité sexuelle. Oui. Il ne sait pas tellement où se situer. Oui, il est un peu des deux côtés. Et il est dans une confusion sur beaucoup de fronts. Numéro 4, qui c'est lui qui veut être écrivain de fiction. Je crois c'est quelqu'un presque fou. C'est quelqu'un. Quoi, c'est fou un écrivain? Non, c'est pas à cause de ça. C'est un jeune homme en colère contre son père, sa situation. C'est cette famille, cette version de la famille Ferguson où le père a gagné beaucoup d'argent. Ils sont assez riches. Et il déteste cette sorte de haute bourgeoisie, la vie de haute bourgeoisie à l'époque. Ce mariage termine en divorce entre ses parents. Il est très dur sur lui, trop dur sur lui. Je ne dévoile pas beaucoup si je dis qu'un de ses grands amis meurt quand Ferguson a 14 ans. Et c'est un choc horrible pour lui. Et en une sorte de pénitence, il se nie des choses qu'il aime beaucoup dans l'honneur de son ami mort. C'est très noble, mais aussi c'est très stupide. Et un peu l'idéalisme d'Alassande qui surpasse les bornes. Et je crois, pour lui, c'est très difficile de trouver un équilibre dans sa vie, mais il est doué, il écrit très jeune, pas comme moi d'ailleurs. C'est pas autobiographique. Non, mais c'est celui-là qui vous ressemble le plus, non? Mais j'étais pas précoce comme tous ces quatre garçons. Mais petit à petit, il se trouve, mais ça prend du temps. Alors ils sont différents. Même s'ils sont la même personne. Alors, puisque vous nous parlez de Ferguson 4, de celui qui va devenir l'écrivain, il faut dire à tous ceux qui nous regardent qu'il y a, sur ces 1000 pages, 2 pages qu'il faudrait faire lire à tous les jeunes qui vous regardent, qui vont découvrir la littérature et la lecture, car c'est un éloge extraordinaire du pouvoir de la lecture. Et puisqu'on a une comédienne, je ne résiste pas, Isabelle Carré, au plaisir de vous demander de les lire. C'est page 414. Et ça parle de crime et châtiment, mais surtout de ce que peut vous faire la lecture lorsque vous tombez dans la lecture. Isabelle Carré. Crime et châtiment fut l'éclair tombé du ciel qui le fracassa en 1000 morceaux. Et quand il parvint à s'en remettre, il ne subsistait plus chez Ferguson le moindre doute quant à son avenir. Si un livre pouvait être cela, si c'était cela, l'effet qu'un roman pouvait provoquer dans le cœur, l'esprit et la vision la plus intime qu'on pouvait avoir du monde, alors, écrire des romans était certainement la meilleure chose qu'on puisse faire dans la vie. Car Dostoïevski lui avait montré que les histoires imaginaires pouvaient aller bien au-delà du plaisir et du divertissement, qu'elles pouvaient vous retourner complètement, vous arracher le sommet du crâne, vous ébouillanter, vous frigorifier, vous déshabiller et vous jeter dehors, nu, en proie au vent violent de l'univers,
Et à compter de ce jour, après s'être débattu dans tous les sens pendant son enfance, perdu dans les miasmes toujours plus épais de la perplexité, Ferguson, enfin, savait où il allait. Ou du moins, savait où il voulait aller. Et pas une seule fois au cours des années suivantes, il ne revient sur sa décision. Pas même pendant les années les plus dures, quand il avait l'impression d'être au bord du précipice. Une seule et même phrase de 25 lignes. Parce qu'il y a ça aussi qui a changé. Voilà, j'ai c'est votre... Ah ouais, oui, c'est bien. Mais c'est aussi votre style qui a été modifié en écrivant 4, 3, 2, 1. Non, pas tout à fait. Il faut dire que les quatre livres précédents aussi ont des phrases très, très longues comme ça. Et c'est une évolution très bien lue. Merci. Hein, merci. C'est extraordinaire. Peut la littérature. Vous voulez être comme lui, quelque part, il écrit un peu plus loin, page 540. Enfin, c'est vous qui l'écrivez. Il voulait déranger et désorienter. Oui. Est-ce que vous êtes ce genre d'écrivain qui veut déranger et désorienter le lecteur? Oui, mais bien sûr. Je crois que tout le monde veut faire ça comme écrivain. J'avais mon grand ami Edmond Jabas, vous connaissez qui c'était, écrivain, poète, et mort depuis presque 25 ans maintenant. Edmond était une sorte de grand-père littéraire pour moi. Un jour, après, il a écrit, publié un livre, le petit livre de la subversion. Alors, on marchait dans la rue, il a dit, Paul, tu sais, ça c'est l'idéal de chaque écrivain, de la subversion, de changer la manière de regarder la vie pour les gens. Il a dit, tu sais, ce qui est le plus fort pour arriver à ce but, il a dit, la clarté. C'était une révélation pour moi. Il a dit, bon, vous pouvez être poète d'avant-garde et détruire le syntaxe, détruire la grammaire et jeter les mots sur la page en tant qu'acte révolutionnaire. Mais ça ne fait aucun effet sur personne dans le monde. Mais pense à Kafka. Qui écrire d'une manière plus claire que Kafka? Il nous désoriente toujours. Et c'était une leçon pour moi de la pouvoir, du pouvoir de la clarté. Et depuis, je pense à ça chaque jour quand je travaille. Formidable éloge de ce que peut être la littérature. Alors, évidemment, 1000 pages, on pourrait y passer mais des heures avec vous, Paul Auster. Je ne veux pas trop dévoiler, parce que vous réussissez aussi le tour de force d'en faire un livre à clé avec, dans les dernières pages, les deux dernières pages, une révélation qui vient clouer le lecteur. 4, 3, 2, 1. On va continuer à en parler dans un instant, si vous le voulez bien, notamment peut-être de politique, parce que c'est aussi un grand livre sur l'Amérique et de politique. Oui, oui. Mais j'aimerais que nous recevions maintenant, si vous êtes d'accord, mon cher Paul, celle qui partage votre vie depuis plus de 30 ans. Elle est romancière, elle est essayiste. Ses livres sont traduits, eux aussi, dans le monde entier. Voici Siri Özvet. Ah, très bien. Bonsoir, cher Siri. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Venez nous rejoindre. Oui. Hey. Siri Özvet, bonsoir. Ravi, vraiment, de vous accueillir sur ce plateau avec Paul Auster. Le public vous connaît. Le public français vous aime beaucoup. On se souvient de cet énorme succès de votre roman « Tout ce que j'aimais » paru il y a une quinzaine d'années maintenant. Mais on a voulu en savoir un tout petit peu plus sur vous, sur votre rencontre avec Paul Auster, sur votre façon de travailler surtout, et puis sur votre œuvre et votre reconnaissance internationale. Je vous propose de commencer avec un portrait, portrait en images et en 5 dates. Il est signé Inès de la Motte-Saint-Pierre, Siri Özvet. – 1981, Siri Özvet a 26 ans, un nom d'origine norvégienne et une passion pour la littérature. La jeune femme blonde, venue du Minnesota, écrit des poèmes publiés par la prestigieuse Paris Review. Un soir de février, après une lecture, elle rencontre un écrivain encore inconnu, il s'appelle Paul Auster. Elle dira « Il m'a fallu 60 secondes pour tomber amoureuse, lui, plusieurs heures.
32 ans plus tard, dans Chronique d'hiver, Paul Auster confiera, d'emblée, tout a été différent avec elle. 1992, avec les trois tomes de sa trilogie new-yorkaise, Paul Auster est devenu l'une des stars des lettres américaines. Cette année-là, c'est au tour de Siri Osvet de se faire un nom. Elle publie son premier roman, Les yeux bandés. Dès lors, le couple d'écrivains s'amuse. Siri dédie son livre à Paul. Paul fait d'Iris, l'héroïne des yeux bandés, l'un des personnages de son roman Léviathan. 2003, succès fulgurant de Tout ce que j'aimais, grand roman sur New York, l'art et l'Amérique des années 70. 140 000 exemplaires vendus en France et une reconnaissance internationale, Siri Osvet s'impose comme une voix sensible et singulière. 2006, Northfield, Minnesota. Siri Osvet prononce un discours en hommage à son père disparu. Soudain, son corps se met à trembler. Le diagnostic tombe, trouble neurologique. 4 ans plus tard, naît La femme qui tremble, essai sur sa maladie imprégnée de culture psychanalytique et scientifique. Pour Siri Osvet, une nouvelle vie commence. Ses essais sur le fonctionnement de l'esprit sont salués par les cercles scientifiques. Ses conférences sur Freud et l'hystérie sont applaudies dans le monde entier. 2014, 3 ans après un été sans les hommes, Siri Osvet poursuit sa réflexion sur la place des femmes dans l'art et la société. Encensé par la critique, son 6e roman, Un monde flamboyant, la consacre comme l'une des romancières féministes les plus emblématiques de sa génération. Romancière féministe, est-ce que c'est un terme que vous revendiquez, Siri? Okay. Alors, il y a un certain nombre de choses qu'il faut que je dise clairement d'emblée, à savoir que je suis devenue féministe à l'âge de 14 ans. Et c'est donc, si vous voulez, le féminisme de la deuxième vague aux États-Unis. Et puis, il fallait préciser aussi que j'ai un doctorat, quand même, en littérature anglaise de l'Université de Columbia. Ça m'a pris 7 ans. Troisième cycle, oui, c'est ça. Voilà, donc j'ai ce troisième cycle. Je suis universitaire depuis longtemps. Et j'enseigne aussi à l'école de médecine, à la faculté de médecine à New York. Et j'enseigne notamment à des étudiants en psychiatrie, et puis je fais également des cours en matière de neuro en sciences et de psychiatrie. J'enseigne souvent. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit? Alors, justement, vous êtes là pour le rappeler. Non, vous aviez raison, lorsque vous parliez de la neurologie, je m'intéressais à ça, mais pas simplement à cause des tremblements que j'ai vécu. Je m'intéressais à ce sujet bien avant cela. Mais vous qui étiez très intéressé par la poésie, par l'art, qui avez écrit des romans, qu'est-ce qui vous a conduit vers justement la psychanalyse et les neurosciences ? Alors, j'ai commencé à lire Freud à l'âge de 15 ans. Et puis après cela, j'ai commencé à m'intéresser à la neurologie. Là, quand j'étais donc, je faisais mes études à l'université. Après, j'ai donc écrit sur Charles Dickens une thèse de fin d'étude. Donc, c'est quelque chose qui me suit depuis très longtemps. Il y a dans votre œuvre complète, alors qu'on peut redécouvrir, parce que votre prochain livre, Les Mirages de la Certitude, va paraître, mais dans 2 mois, hein, au mois de mars, chez Actes Sud. Donc on a un petit peu de temps. Alors il y a des épreuves, donc moi je me suis dit, tiens, je vais me jeter sur le livre de Siri, qui est une formidable réflexion sur la différence entre l'esprit et le cerveau, sur l'apologie du doute, dans une époque qui ne veut que des certitudes. Et je me dis, peut-être que nos téléspectateurs peuvent, en attendant de lire Les Mirages de la Certitude, revenir par exemple sur ce livre, Tout ce que j'aimais, grand roman qui raconte le New York des années 70. Est-ce que c'est la même femme, la même personne qui écrit des romans et qui enseigne les neurosciences ? Quel est le rapport, quel est le lien entre ces deux activités? Alors, effectivement, c'est une question très intéressante que vous soulevez. Lorsque j'étais plus jeune, j'ai senti qu'il y avait, si vous voulez, une fracture entre toute la partie non-fiction de mon travail et la fiction. Entre-temps, ce sont deux domaines qui se sont rapprochés, voire qui fusionnent. Et d'ailleurs, le tout dernier roman qui est publié, donc Un monde flamboyant,
est à cet égard un ouvrage de philosophie, je dirais, ou en tout cas un roman philosophique, tout dépend comment on veut voir les choses. Et en tout cas, cet ouvrage-là est repris, les thèmes sont repris dans cet ouvrage qui va sortir, que vous avez entre les mains. Et ce problème, cette problématique du corps, de l'esprit, du mental, et comment la psychiatrie, les neurosciences se positionnent par rapport à ces sujets. Et si vous voulez, Le Monde Flamboyant, c'était la version romancée de cette problématique. Et ce sont des travaux qui sont les travaux d'une féministe, hein, dans un cas comme dans l'autre. Donc ça, c'est sûr, c'est dit. Je me suis souvent demandé, écrivez-vous, quel effet ça ferait d'être quelqu'un d'autre ? Page 311. C'est exactement la thématique également du roman de Paul. Est-ce que vous diriez que c'est, tout comme c'est aussi une façon de mettre en essai un monde flamboyant, c'est une manière d'accompagner les interrogations qui peuvent être celles du romancier Paul Auster ? Je dirais que tout un chacun, tout être humain a de l'imagination. Alors, l'imagination, c'est quoi ? Et c'est ça la question qui est très intéressante. C'est-à-dire que les êtres humains, à la différence d'ailleurs d'autres animaux, ont cette capacité à se reconnecter avec le passé, à se projeter dans l'avenir également. Et c'est là, c'est une forme de voyage dans le temps, pour reprendre les idées de Kierkegaard, à savoir que le fondement même du roman, le fondement du genre, de la fiction, eh bien, c'est précisément cette forme de voyage à travers le temps, c'est-à-dire cette possibilité de se déplacer, de bouger dans le temps, certes, mais aussi dans la peau d'autres gens. C'est quelque chose que nous faisons tous. Il y a cette capacité chez l'humain, et c'est peut-être d'ailleurs, en tant qu'animaux, si vous voulez vraiment, l'arme suprême que nous avons en tant qu'humains. Paul, est-ce que vous théorisez aussi de la même manière ce que vous écrivez dans vos romans ? Est-ce que je crois ? Est-ce que vous le théorisez ? Est-ce que vous le pensez conceptuellement aussi de la même manière ? Non, je ne le fais pas comme Siri. I don't do it the way you do it. Je ne le fais pas de la même manière que toi, Siri. Nous écrivons nos romans de la même manière, bien sûr. Siri is a born novelist. C'est une romancière née. C'est une grande raconteuse d'histoire, grande narratrice. Mais là, c'est autre vie. Moi, je n'ai pas cette autre vie en tant que quelqu'un qui réfléchit. And she's also written a lot about art. Elle a écrit beaucoup sur l'art, very, very trenchantly and beautifully. Des choses extrêmement profondes et très belles. It's kind of an awesome thing to live with this person. C'est extraordinaire de vivre avec cette personne. C'est grand. You know, an intellectual giant. C'est un géant intellectuel. It's hard for me to, et c'est difficile pour moi de même de me voir moi-même de la même manière, parce que Siri, elle a quatre vies. Moi, j'en ai qu'une. Et je ne sais pas comment elle le fait, pour dire la vérité. Alors, comment faites-vous ? She gets up early. Elle se lève tôt, oui. Elle lit. En lisant vos deux livres, alors, j'allais dire presque en miroir, on se dit, c'est une façon tout de même de nous raconter aussi ce qui se passe en Amérique. Siri, vous écrivez sur le doute fertile, sur l'ambiguïté nécessaire, sur les certitudes qu'il faudrait apprendre à laisser tomber. Vous, Paul Auster, vous nous dites, page 599 de votre livre, l'Amérique devenait folle. On parle des années 60 ? Ah, à vous lire, je me demande si on parle des années 60 ou des années 2015. Oui, oui, oui. Comment vous sentez-vous aujourd'hui comme romancier, comme romancière, comme intellectuel dans cette Amérique du 45e président américain ? You go first. Yes, well, I think that the whole world. Je dirais que le monde a de quoi s'inquiéter. Hein. D'ailleurs, le monde est nerveux et s'inquiète, je crois, de voir que les États-Unis ont à leur tête un misogyne, raciste, xénophobe, ignorant, cette personne-là. And that this is terrifying. Et c'est vraiment but effrayant. We have to recall
C'est terrifiant, mais rappelons-nous que 60 millions de personnes ont voté pour cet homme et qu'il n'y a pas eu de secret. Il n'y a pas d'entourloupe, c'est-à-dire que nous avons vraiment eu ce qu'il nous avait annoncé pendant la campagne. Il n'a pas changé de personnalité du jour au lendemain du tout. Effectivement, je vous l'ai dit, je travaille beaucoup, je m'intéresse beaucoup à la psychiatrie. Bon, c'est un narcissique ou alors c'est un psychopathe, je ne sais pas. Il y a d'autres termes éventuellement. Nous payons le prix maintenant de ce choix, mais je dirais que ce que l'on voit également, c'est en fait une division qui existe aux États-Unis depuis la guerre civile, cette division raciale, cette lutte ou cette partition entre les classes en matière d'éducation notamment. Pourquoi ? Bien, je pense que les États-Unis n'ont pas vraiment affronté l'héritage de l'esclavage. Et ça, c'est une raison très importante, je crois, à cette situation. Les États-Unis ont enfoui les horreurs, ils ont enfoui l'histoire de l'esclavage. Et je pense que tant que nous n'aurons pas regardé les choses en face, il sera difficile de se guérir et de soigner notre pays. C'est ma partie. Nous en avons discuté ailleurs aussi. Je partage les mêmes idées. Ce que je voudrais dire au sujet de ce qui se passe aujourd'hui, qui est particulièrement important, je pense, c'est que tout le monde est tellement sidéré par Trump, ce personnage. Il a fasciné le monde depuis 2 ans maintenant. Et on ne fait pas suffisamment attention à ce qu'ils sont en train de faire au gouvernement. Parce que, contrairement à ce que disent les gens, il a été très efficace. Et il a adopté une vision d'extrême droite sur la façon de traiter de la politique américaine. Il est à fond dans l'idéologie républicaine et morceau par morceau, il démantèle le pays et il le fait de façon très réussie et très rapide. Je ne voudrais pas passer à travers toute la liste de la façon dont chaque ministère est dirigé par quelqu'un qui a pour but de détruire l'organisation qu'il représente, l'environnement, la santé, l'éducation, le travail. Ils sont tous contre ces choses-là. Tous les juges qui ont été nommés à la Cour suprême sont d'extrême droite. Et il y a un mois, simplement, le Sénat a confirmé, et le Congrès aussi, je crois, la pire loi jamais mise en place aux États-Unis, c'est la loi sur les impôts. C'est la première fois dans l'histoire moderne où les riches sont récompensés et les pauvres punis. Et donc, les pauvres vont payer plus et les riches moins. Et ils ont réussi à le faire. Donc, ce n'est pas simplement Trump, c'est tout le parti, c'est tout le mouvement dont il fait partie et dont il faut s'inquiéter. On peut se poser la question, quand on lit vos livres, de ce que la littérature peut créer comme signal d'alarme. Vous travaillez aussi sur ça, vous racontez, OK, 50 ans plus tard, ce qu'a été une période folle de l'Amérique, est-ce que vous pensez, l'un et l'autre, que le romancier, la romancière, a quelque chose, un rôle à jouer ? Vous savez, les romanciers peuvent parler pour autant qu'on leur demande de donner leur avis. Ce n'est pas toujours le cas, en tout cas pas aux États-Unis, où le respect pour l'écrivain de manière générale n'est pas la chose la plus marquante. Mais moi, je dirais que probablement, il est possible de faire une espèce d'agitation, de mobiliser les esprits, mais dans la littérature, pas forcément. Vous savez, la littérature, elle est là pour explorer certaines ambiguïtés, en essayant de comprendre les choses différemment de ce que va faire un travail idéologique. Je dirais que des discours violents contre Trump, comme j'ai pu en entendre, sont là pour une raison. Ils ont une fonction. Ça, mais Oui, je pense que j'ai d'ailleurs de finir
un roman, là, très récemment, où on parle justement de Trump, ça et là, mais c'est vraiment intriqué dans la trame du récit de manière assez complexe. Comme c'est le cas d'ailleurs dans le livre de Paul, qui n'est pas directement là-dessus. Mais je note quand même, Paul Auster, que vous écrivez à un moment, page 599, c'est un pays coupé en deux. À un moment, Ferguson, numéro 4, pense à Thoreau, l'auteur de Walden, en se disant « Ah mais, il écrivait dans une période qui était juste avant la guerre de sécession, la Civil War ». Ferguson lui-même écrit pendant les années de la guerre du Vietnam. Et il a le sentiment, Ferguson, dit-il à un moment, d'écrire à un moment où le monde est sur le point de s'écrouler. Oui. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous avez ce sentiment d'écrire à un temps où le monde est sur le point de s'écrouler? Ah, c'est une grande question. Malgré toute l'évidence qu'on a, pas seulement aux États-Unis, mais en Europe. Je reste optimiste. Je crois que les choses vont changer dans l'autre sens encore. Je crois. Et je crois que ça va commencer peut-être aux États-Unis. Je crois que Trump sera refusé. Je crois qu'il va monter. À un moment, va arriver, il y aura une chute. Et je crois que les élections de cette année, à la fin de cette année, en novembre, sont très importantes. Et je garde un certain optimisme cautieux. Et pour 2020, quelle date, 2020, 2020, je ne vois pas comment il peut gagner encore. Peut-être j'ai tort, hein. Je ne suis pas certain, mais je crois qu'il va tomber. Oui, mais quand même, le problème, c'est le présent. Hein. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où on va. On peut imaginer, on peut se projeter dans un avenir qui n'existe pas. Or, cet avenir, c'est une fiction, c'est toujours une fiction, l'avenir. Et au moment où on entre dans cet avenir, il n'est plus une fiction, par définition. En revanche, et comme le disait Paul d'ailleurs, et je voulais peut-être rebondir un petit peu sur ce qu'il disait, c'est que ce que nous voyons actuellement, c'est, si vous voulez, aussi un retour de bâton, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qui a voté. Qui sont les gens qui ont voté? Il a été élu par des Blancs, Donald Trump. Et c'est très important de le dire. Nous avons une histoire raciale très longue dans notre pays. Les Noirs, la population noire n'a pas voté pour lui. Les personnes d'origine hispanique ou asiatique n'ont pas voté pour lui. Hillary Clinton n'a pas eu les hommes blancs comme vote. Notamment ceux qui n'avaient pas fait d'études supérieures. Le vote des hommes, le vote des gens qui n'avaient pas fait d'études, elle ne les a pas eues. Donc la division est assez claire. Et je dirais qu'aujourd'hui, les gens ne se sont pas, si vous voulez, montés contre cette idée d'un homme qui avait été un président noir, mais c'est surtout qu'ils ne voulaient pas d'une femme présidente. Et cette misogynie qui était sous-jacente pendant cette campagne a été vraiment remarquable, assez incroyable. Ouais. Et j'en aurais même pas pu imaginer d'assister à une telle misogynie. Oui, elle a raison. Mais est-ce que vous pensez pas qu'il est son pire ennemi? Et que ses maladresses, pour le dire gentiment, ou sa violence, va à un moment donné se retourner contre lui-même? Yes. Je parle de Trump, évidemment. Je pense que si on peut compter sur quelqu'un pour... Oui, tôt ou tard. Parce que vous savez, le psychopathe, justement, ce qui le caractérise, c'est qu'il est incapable de maîtriser ses impulsions. C'est ça. Alors, il va mentir, c'est pathologique, il n'a pas d'empathie, il n'a pas de sentiment de culpabilité, et il n'arrive pas à maîtriser effectivement ses impulsions. Et probablement, ceci va le perdre à terme. Et on est d'accord avec Paul sur ce point, c'est qu'il va exploser ou imploser peut-être plutôt. Hein? Je ne peux rien dire avec certitude. C'est l'illusion de la certitude. Je ne vais pas aller dans cette direction. Les mirages de la certitude. Donc, il va sortir en mars sous la signature de Cyrus Vettre, traduit par Christine Leboeuf. Alors, il y a un très beau passage, d'ailleurs, sur l'empathie.
et l'empathie dans les romans, la manière dont vous, romancière, vous appréhendez cela. C'est aux éditions Actes Sud, tout comme 4-3-2-1, traduit par Gérard Medal. Tiens, alors, je voudrais vous faire un petit cadeau. Dans un instant, Philippe Delerme va nous rejoindre pour parler des expressions françaises. Ah. Mais juste avant, je vous emmène dans un endroit qui, malheureusement, a tendance à disparaître dans votre pays, les États-Unis, c'est les librairies indépendantes. Ah. Vous savez, ces toutes petites échoppes qui sont formidables et qui sont partout présentes en France. Comme Paul Auster, vous aimez beaucoup Paris, et que Paris est dans vos romans, on s'est rendu à Paris, à la librairie des Abbesses, voir Marie-Rose Garnieri. C'est Inès de la Motte-Saint-Pierre qui l'a rencontrée. Pour moi, les livres et les écrivains, c'est la grande famille que je me suis constituée. C'est-à-dire que c'est avec eux que je respire. Je vis livre, je mange livre, je danse livre. C'est eux qui donnent une consistance à mon existence. En fait, je cherchais dans le monde une place pour moi et je crois que j'ai trouvé l'endroit où je me sentirais bien. Tréamont, Les Chants de Maldoror. C'est un livre qui explore les gouffres, la noirceur, le soleil, les étoiles. Voilà, c'est un livre magistral en termes de style. Et il est étrange parce que quand on le lit, on peut le relire 100 fois. On n'a jamais affaire au même texte. C'est le livre de Kawabata, Les Belles Endormies. C'est un homme qui est à côté d'une femme. Elle dort et il ne fait que la regarder. Et donc, c'est un livre qui parle des femmes d'une façon admirable. Pour moi, c'est un des plus beaux livres sur les femmes. Le Nicolas de Staël, c'est un bijou parce qu'ils ont reproduit les tableaux de Nicolas de Staël en pleine page. On a l'impression d'avoir les œuvres en face de vous. C'est très vivant. L'impression est veloutée. C'est un travail d'une perfection. Le format est splendide. C'est ce qui rend hommage le plus à tous les artisanats du livre. Nabokov, Philip Roth. Quand je lis les textes de Nabokov sur la littérature, je suis folle de joie. J'apprends, j'ai envie de parler comme lui des livres dans ma librairie. Je m'identifie à lui. Quand je lis Philip Roth, je respire. J'ai l'impression d'avoir un compagnon de lutte. Et voilà, je ne peux pas trancher entre les deux. Ben oui, pourquoi trancher, pourquoi choisir? Les deux. Ouais, pourquoi? Pourquoi? Toujours en compagnie. Hardy, j'aime les deux. Voilà, les deux. Paul Auster, Cyrus Vett, Isabelle Carré, Olivier Adam et Philippe Delerme qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Alors, j'ai voulu que vous soyez sur ce plateau tous ensemble et notamment vous, Paul, Siri. D'abord, Paul, parce qu'on a vu, vous parlez parfaitement français. Siri, vous le comprenez très bien le français, hein, en réalité. Et alors, voici un livre qui va vous réjouir. Vous allez beaucoup aimer ce livre parce que Philippe Delerme se penche aujourd'hui sur ces expressions. Alors vous savez, c'est des expressions qu'on utilise tous, bien souvent à tort et à travers, des tics de langage ou alors des petites perfidies. Un exemple, en même temps, je peux comprendre. Ouais, ça vous énerve, hein, Philippe. En même temps, je peux comprendre, mais pas autant que je dis ça, je dis rien. Ou alors, c'est pas pour dire, mais c'est juste insupportable, hein. Et vous avez eu beau temps, voilà la petite perfidie des phrases, des petites phrases de la langue française. C'est un livre très réjouissant qui vient de paraître donc aux éditions du Seuil. Qu'est-ce qui vous a inspiré, Philippe Delerme, ce recueil qui relève moins du coup de gueule, on va le dire, des portraits ou alors peut-être même des mythologies à la Roland Barthes, hein, des mythologies de la langue française telle qu'on l'emploie aujourd'hui. C'est une référence qui fait toujours gonfler les chevilles, hein, c'est sûr. Et puis peut-être un petit peu aussi de Nathalie Sarraute, parfois un petit peu, parce qu'après, il y a un petit côté aussi pour un oui, pour un non, quelque part. Non, en fait, analyser les petites phrases, c'est une chose que je fais, même à travers même des textes, par exemple, dans La Première Gorgée de Bière, il y en avait déjà. Mais là, c'est vrai que, bon, peut-être avec les années passant, j'ai eu envie de faire un petit peu mon petit La Bruyère, de m'en prendre un peu à un éternel humain qui décèle un peu les hypocrisies, voilà, davantage, quoi, que d'habitude. C'est hypocrite si je vous dis à votre retour de vacances et vous avez eu beau temps?
C'est-à-dire qu'en fait, il aurait peut-être fallu mettre même des points de suspension entre « et » et « vous avez eu beau temps », puisque le, en fait, ce que j'aime bien, c'est déceler dans ce simple « et » quelque chose déjà d'un petit peu... C'est la conjonction de coordination et la conjonction qui est censée être une conjonction de coordination est en fait parfois un peu de traîtresse. C'est vrai que souvent, quand on est à côté d'un pêcheur et qu'on le voit pêcher sans qu'il ait pris un poisson depuis trois quarts d'heure et on lui dit « et vous en prenez beaucoup », on peut dire que le « et » est un petit peu en fait cruel ou bien alors... Quand vous aimez trop Venise et c'est pas trop touristique, bon voilà. Donc c'est bon. Et c'est vrai que j'ai pris un certain plaisir à écrire ces textes. Et cela dit, il y a aussi dans le recueil des textes tendres, mais il y a un peu davantage voilà. Il y en a qui sont un peu moqueurs. Je dis ça, je dis rien. Oui, je dis ça, je dis rien. Ça c'est une espèce de faux courage comme ça. Et cette phrase, elle a quand même, parmi les phrases d'aujourd'hui, j'ai choisi celles qui ont un peu la peau dure, qui ont une vie un peu, qui représentent justement une espèce d'attitude humaine un petit peu continue. Je dis ça, je dis rien, ça veut dire, voilà, j'ai le courage de dire quelque chose que les autres ne disent pas, mais aussitôt je me rétracte et je balance un truc voilà, qui est quand même un tout petit peu gonflé et qui secoue un petit peu le politiquement correct, mais aussitôt après, bon, bah, n'y faites pas attention. Mmh. Bien sûr, j'ai dit la vérité, mais en même temps, je ne veux pas en subir les conséquences. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi les effets de mode en même temps? Alors, je ne sais pas, Paul Auster, si vous avez remarqué, en France, depuis qu'on a un nouveau président, on dit beaucoup « en même temps ». En même temps, je peux comprendre. Je ne savais pas que c'était macronien, parce que quand je l'ai écrit avant le passage de Macron. Voilà. Et donc, mais en même temps, c'est peut-être Emmanuel Macron qui est delermien. Ah oui, absolument, c'est très possible. Enfin, je ne sais pas, enfin, bref. Donc, en tout cas, c'est vrai que je pensais notamment à ces choses dont on s'énerve, par exemple, quand on est à Paris, sur un quai de métro, et que voilà, on descend de la rame, et en fait, les gens n'attendent jamais que vous descendiez pour monter maintenant, puisque en plus c'est très rapide. Et c'est vrai que si vous avez le malheur de dire c'est assommant, ces gens qui n'attendent pas qu'on descende pour monter dans le wagon, et votre compagnon ou votre compagne vous dit mais en même temps je peux comprendre, en même temps bon, c'est vrai que ça veut dire déjà il a l'équanimité de dominer la situation, lui il s'affole pas, il s'irrite pas, bon il envisage tous les aspects de la situation, mais surtout je peux comprendre, ce qui laisse quelque part supposer que vous ne comprenez pas quoi. Donc, ça, c'est déjà un peu plus cruel. Alors, il y a des choses qui sont plus tendres, mais que vous égratignez également. Par exemple, ça, si on dit on peut peut-être se tutoyer. Qu'est-ce que vous répondez? Alors d'abord, c'est vrai qu'on peut peut-être se tutoyer. C'est vrai que c'est une phrase qui vient souvent comme ça. Moi, j'ai vécu longtemps dans l'éducation nationale où j'étais prof où tout le monde se tutoie. Mais en fait, je me suis rendu compte que parfois, il y a des vouvoiements qui sont assez précieux. Ouais. Et ce que j'aime bien dire à la fin de ce texte, c'est vrai que c'est un peu dommage qu'elle n'existe pas vraiment, cette phrase qui serait belle aussi, qui consisterait à dire « on peut continuer à se vouvoyer ». Et je me suis rendu compte, par exemple, qu'avec d'anciens élèves qui sont devenus des amis, parfois, ils me disent « mais non, je ne pourrais pas arriver à vous tutoyer parce que voilà, vous êtes toujours monsieur de l'air, mon prof, etc. » Et que finalement, dans la préservation du vouvoiement, il y a quelque chose qui peut être aussi affectif que dans le passage au tutoiement. Alors ça, par contre, c'est moins universel, hein, Paul Auster. En langue anglaise, le tutoiement, non, ça n'existe lui, évidemment, pas. N'existe pas. C'est fini depuis 400 ans. Mais on a des mêmes sortes de phrases prononcées par les politiciens qui durent. Je pensais, vous parlez de Macron, et je pensais à Richard Nixon, qui disait à ce point dans le temps, at this point in time. Oui, oui, oui. Et je n'ai jamais entendu parler cette phrase de quelqu'un nulle part. Et ça persiste. C'est quelque chose qu'on dit aux États-Unis. At this point in time. D'accord. À ce point dans le temps. Alors, il y en a plein dans le recueil de Philippe. Il y a par exemple, je me suis permis. Je me suis permis de vous en rajouter un petit peu. Avec un peu d'obséquiosité. C'est l'obséquiosité du commerçant. C'est vrai que c'est le genre d'initiative du genre, je me suis permis d'ajouter un petit chiffon pour vos lunettes. et dans ces cas-là, cette audace, je me suis permis, en fait, ça ne fait que souligner le fait que vous n'ayez pas remercié à l'avance pour quelque chose. Mais alors, que vient faire dans votre lexique ou dans le dictionnaire? C'est presque une encyclopédie, un dictionnaire. Oui, enfin, abruti, va.
Ah bon, ah bah ça c'est tendre, alors pour le coup c'est... Ah c'est tendre. Ouais, c'est une phrase tendre, oui, parce que bon voilà, quand on... c'est a priori avoir une dissension avec quelqu'un, et finalement dire, quand on dit abruti va, ça veut dire après tout, et si on n'est pas d'accord sur un point politique par exemple, bah, peut-être que quelque part en tout cas, il y a des choses plus importantes entre nous que ces idées différentes qu'on peut avoir sur certaines... Olivier, Adam, Isabelle Carré, quelle est l'expression qui vous horripile ou qui vous agace, vous? En mode. En mode, ah oui. Ouais. Je suis en mode. Je sais pas quoi. Dans le même genre, il n'est pas, vous auriez pu mettre qu'est-ce que tu demandes de plus, par exemple. Ah oui. Qu'est-ce que tu demandes de plus, ouais, c'est vrai. Mais moi, ce que j'ai mis dans le livre. Ça va un peu avec tes contents. On parle beaucoup des incipites au début de chapitres ou même en début de roman. Mais alors là, comment on appelle la dernière phrase d'un chapitre? L'explicite, c'est ça? L'explicite, oui, je crois. Bah, demandez au prof de français. J'avoue que j'ai l'air complètement... L'explicite libré, je crois, c'est quelque chose comme ça, en latin. Ouais. Vos dernières phrases, alors on parlait de phrases bijoux, sont toujours des phrases bijoux. Mais est-ce qu'on n'a pas besoin de ces phrases, Philippe Delerme, quand même? Oui, si, si, absolument. Dans la mesure où elles nous permettent d'être dans une relation à l'autre. Oui, oui, tout à fait. C'est pas du très bon français. Non, non, mais moi, je suis certain qu'elles sont très, très utiles. Mais simplement, justement, elles sont utiles, mais en même temps, on peut se permettre de les ausculter parce qu'elles sont importantes pour nous. Et c'est vrai que, bon. Quelque part, elles les traduisent beaucoup. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi à noter, par exemple, dans un mode plus positif, la phrase qu'on a tous prononcée un jour ou l'autre sur les enfants, c'est-à-dire à propos des mots d'enfants, de dire « il faudrait les noter », par exemple. Ah oui, il faudrait les noter. C'est vrai qu'on le dit tous, et en même temps, on sait très bien pourquoi on ne le fait pas. Ce n'est pas simplement une question de temps. C'est un soulagement que vous disiez que c'était finalement pas si nécessaire que ça. Non, parce que je trouve que moi, je trouve que l'enfant, c'est ce qu'il y a vraiment de plus beau et de plus haut. Et la façon dont pensent les enfants quand ils disent des jolies choses, en l'occurrence, je cite une phrase de mon petit-fils qui dit « il y avait un cauchemar dans la chambre, mais je crois qu'il ne m'a pas vu », ce que je trouvais joli. Mais ce genre de phrases, on les préfère toujours quand c'est des enfants qu'on connaît, des enfants qu'on aime. Et si on commence à les épingler comme on épinglerait un papillon, en fait, on sait très bien qu'elles vont perdre leur couleur et que l'enfance, c'est assez cruellement quelque chose qui est fait pour s'en aller, et que pour les mots d'enfant, on se contente de dire « il faudrait les noter », mais en fait, on sait déjà qu'ils sont quelques... Ce petit miracle du mot d'enfant est à l'avance perdu, parce que c'est le propre de la vie de le perdre. Eh bien, vous voyez, on a commencé cette émission avec l'enfance et l'adolescence de Fergusson, avec l'enfance du personnage d'Isabelle Carré et de cette fille de chanteur, et on termine en enfance. Mais on ne termine pas complètement, si vous voulez bien, mon cher Philippe Delerme, parce que après, et vous avez eu beau temps, la perfidie ordinaire des petites phrases, je voudrais qu'on se livre à un exercice. Tiens, ça pourrait être aussi une expression. Mais celle-là, vous ne me la ferez pas retirer de la bouche ni de l'émission. Je me souviens. On va tâcher. Alors le principe de « Je me souviens », cet exercice à la Georges Perec, c'est de rejoindre ce piano et de rejoindre le pianiste. Le pianiste s'appelle Richard Lernac. Bonsoir Richard. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Richard. Et vous le connaissez bien? Oui, je le connais bien. « Je me souviens », disait Georges Perec, votre idole, Paul Auster. « Je me souviens des très nombreux refus d'éditeurs. Combien ? » Ah, pas mal. Enfin, on était à 17 avec Paul. Oui, moi, ça doit être à peu près du même ordre. Ça a duré quasiment 10 ans, ouais, avec toutes les fois où ça passe presque et où c'est encore plus dur. Je me souviens d'une dictée sur Zatopek, le grand coureur tchèque. Oui, c'est là que j'ai peut-être découvert mon envie d'aimer le sport, parce que mon père, qui était mon instituteur, dans le livre de lecture, n'étudiait jamais le texte sur Zatopek, parce que lui n'aimait pas le sport. Et donc peut-être, voilà, j'ai eu envie d'aimer le sport, comme ça, par esprit de contradiction. Je me souviens des grands boulevards d'Yves Montand. Oui, j'ai un pied-à-terre à côté des grands boulevards à Paris, et chaque fois que je marche sur un grand boulevard, je me fredonne ça. C'est une chouette chanson. Et les grands boulevards, c'est chouette aussi comme endroit. Je me souviens du Grand Maulne. Oui, ça, c'était une lecture qui a été assez traumatisante pour moi, parce que dès que j'ai ouvert ce livre, quand j'étais en 5e, à 12 ans, je me souviens, un dimanche où mes parents étaient partis, je commence ce livre et je vois mon père, que j'appelais Monsieur Sorel comme les autres élèves. Moi, j'appelais mon père Monsieur Delerme comme les autres élèves. Et le chapitre d'après, le narrateur explique qu'il lit les livres de prix à l'avance, les livres qui arrivent très tôt dans l'année. Mmh. Et moi, je faisais la même chose. Je me souviens de ma passion pour le Banana Split. Oui, c'était un des textes que j'ai préféré écrire dans la première gorgée de bière.
C'est politiquement incorrect, le banana split. Ah bon, pourquoi? Parce que commander un banana split, c'est, voilà, c'est politiquement incorrect. Je me souviens de me sentir, ou de m'être senti investi d'un devoir de bonheur. Oui, ça, c'est un peu moins rigolo, mais c'est vrai que je suis arrivé sur Terre après la mort d'une petite sœur et j'ai souvent entendu des phrases prononcées par ma mère me rappelant que j'étais un peu quelqu'un qui lui avait sauvé la vie et que c'est quelque chose qui a compté pour moi aussi dans l'idée que je me faisais de l'existence après. Je me souviens de mon premier roman, Caché dans un tiroir. Ah oui, là pour le coup, c'était, je sortais de la lecture de Proust qui m'avait traumatisé et c'était tellement proustien, mais au mauvais sens du terme, parce que tellement influencé par Proust que pour rien au monde, je voudrais le voir publié aujourd'hui. Il est encore dans le tiroir. Ah oui, il restera toujours. Mais pas détruit. Ah, pas détruit, mais j'ai autour de moi des gens à qui je peux faire confiance. Merci beaucoup, Philippe Delerme. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Merci à vous tous et toutes d'y avoir participé. Je rappelle que les titres des ouvrages dont nous avons parlé aujourd'hui sont à retrouver sur les sites internet de l'émission. Émission que vous pouvez revoir en replay sur le site France.tv. La semaine prochaine, eh bien, je vous prépare quelques petites surprises. Il est l'heure de rendre l'antenne. Je vous souhaite de très belles lectures. Et puis on va terminer avec un hommage, Olivier Adam, à cette chanson de la ville silencieuse. Musique, maestro.